Nous avons maintenant le privilège de vous présenter notre jury. Il y a tellement d'or dans ce jury, tellement de médaillés d'or, qu'on est à deux doigts de la pollution aux métaux lourds. Il y a autant d'or réuni dans cette loge du jury que l'on peut en imaginer du côté de la place Vendôme ou dans tous les coffres de toutes les banques luxembourgeoises réunies. Je les présente. La première d'entre elles, au moins par la beauté, je le dis franchement, est médaillée d'or du 10e festival. Nous voulons bien applaudir Elena Panova. Il a été médaillé d'or lors du 21e festival, c'était en 1998, Anatoly Zalievski. Pour l'Ukraine. Il a été le premier candidat à représenter dans la compétition le Kazakhstan, médaillé d'or au 31e festival, Darkan Kambyshev. Elle est suédoise, trapéziste. Elle a été médaillée d'or lors de la 32e édition du festival. Uwe Jansson. De l'or également au cou d'une Française. Or remporté lors de la 33e édition. Héloïse Bourgeois. Elle est directrice principale des relations dans les communautés du Cirque du Soleil, Agathe Ali. Il est président de Franco Dragon Entertainment Group, Yves Delacolette. Directrice adjointe et directrice pédagogique de l'Académie Fratellini, Valérie Fratellini. Il dirige le cirque Nikouline à Moscou, Maxime Nikouline. Son titre exact en chinois est Fung Mei, ce qui, dans une traduction approximative française, serait directeur du Centre d'art acrobatique de la Fédération des hommes de lettres et des artistes de Chine, directeur des relations extérieures de l'Association des acrobates de Chine. Il est également médaillé d'or honorifique lors de la 31e édition, un vieil ami du festival, Mi Lu. C'est là qu'on se rend compte que le chinois est beaucoup plus concis que le français dans son langage. Il faut un président à ce jury. Le président, cette année, est une manière de légende vivante. Un homme qui a porté sur ses épaules, dès sa création, ce festival, puisqu'il en est le fondateur, le président du jury du 35e Festival mondial du Cirque de demain, est M. Dominique Monclerc.